Alors, aujourd'hui, on va regarder la location versus l'achat. Alors, depuis le début de la session, on regarde tout le temps un investissement initial au temps zéro et des cash flows positifs par la suite. Il n'y a rien, par contre, qui nous oblige d'acheter la machinerie si on peut la louer. Donc, supposons qu'une machine coûte 1 million pour un projet de 10 ans. Peut-être que je pourrais louer cette même machine pour 150 000 par année. Alors, lequel est le plus avantageux? Encore une fois, ça va revenir à celui qui maximise la valeur. Alors, une chose, c'est que si tu loues, peut-être il se peut qu'on avait vu au cours 3 ou au cours 4, si on avait un budget d'investissement, on est peut-être limité dans qu'est-ce qu'on peut acheter. Si on a 2 millions pour investir et les machines coûtent 1 million, ça veut dire qu'on peut investir dans deux machines. Mais par contre, si on est capable de louer la machine pour 250 000, en théorie, on pourrait louer 8 machines avec le même budget d'investissement. Sauf Ouais. que les coûts de location vont revenir à chaque année subséquente. Donc, l'avantage de louer, c'est que tes frais de location, ça devient un coût fixe. Alors, les frais de location qui sont généralement en début de période, alors votre loyer pour votre appartement, si vous en avez un, comme moi, je le paye en début de période, au début du mois. Si vous avez une machine que vous êtes en train de louer, vous allez payer en début de l'année la machine. Par contre, vos taxes sont payées en fin d'année. Donc, il y a un traitement d'intérêt qu'on doit tenir compte. On va voir ça dans un instant. Alors, celui qui te loue, peut-être que lui, il a des économies d'échelle. Comme t'sais, les propriétaires de mon appartement, ils ont 4 ou 5 appartements. T'sais, eux, les loyers payent les hypothèques sur ces appartements. Puis, s'ils ont du cash supplémentaire, ils peuvent aller chercher une cinquième. Donc, eux, ils ont un concierge qui fait la rénovation ou l'entretien de tous les appartements, incluant le leur. Donc, ils ont des économies d'échelle. Alors, moi, si j'étais propriétaire et j'ai un problème avec ma toilette, j'ai besoin de venir faire un plombier, alors ça va me coûter plus cher. Pour le propriétaire, c'est moins cher parce qu'il y a un gars qui connaît un peu ça, qui serait capable de venir et de traiter la demande à un coût moindre. Donc, si jamais moi, je ne paye pas mon loyer, mais le propriétaire, il a l'option de me mettre à la porte. Alors, c'est la même chose si je loue une machine. Alors, si je loue une machine et je pars en faillite, mais la machine ne m'appartient pas, le propriétaire, il est capable de venir le saisir. Donc, le bénéfice, si je ne dois pas payer 1 million pour cette machine, puis je paye 150 000 par année, alors les coûts d'acquisition au temps zéro, alors les coûts de financement sont moins importants. Alors, peut-être que ça serait plus à mon avantage de louer que d'acheter. Et en conséquence, t'sais, si je dois acheter, peut-être que je dois emprunter davantage de l'argent. Alors, t'sais, mes sources de financement ne sont pas taxées. Une autre chose, c'est que mon ratio d'endettement, alors la proportion de la compagnie qui est financée par de la dette, si la compagnie elle est financée par, si moi j'achète mon équipement, probablement que j'ai plus de dettes. Et si moi je loue mon équipement, j'ai probablement moins de dettes. Alors, si on regarde, alors l'exemple que j'ai donné depuis 10 ans, c'est Walmart et Kmart. Malheureusement, Kmart, elle a fait faillite dans les 5 dernières années. Alors, c'est la compagnie Sears qui est propriétaire de Kmart, puis toutes les Kmart sont en train de fermer. Alors, Walmart, dans les années 80, ont fait la décision que tous les nouveaux Walmart, ils seraient propriétaires de leurs installations. Et les Kmart, qui étaient la grosse chaîne en 1980, louait toutes les bâtisses. Alors, vu que Kmart louait tellement de bâtisses, alors, il y avait quand même un pouvoir de négociation. Alors, Kmart, c'était ce qu'on pense aujourd'hui à Walmart. Et Walmart, il y a 20 ans, il y a 10 ans, tout simplement, c'est comment qu'on voit Amazon aujourd'hui, c'est comment qu'on voyait Walmart. Donc, Walmart, elle a 180 milliards en actifs, ou du moins, il y a quelques années, elle avait 180 milliards en actifs. Deux tiers de la compagnie étaient financés par de la dette. Alors, 120 milliards de dettes ou des passifs, alors des comptes à payer, mais écoutez, les comptes à payer de Walmart sont petites. Et quand même, sur le 180 milliards en actifs, 110 milliards, c'est la valeur de leurs installations. Alors, toutes les Walmart, toutes les Sam's Club, toutes les Supercenter, tout ça appartient à Walmart, incluant que les centres de distribution, tout ça appartient à Walmart. Tandis que Kmart, peut-être les centres de distribution appartenaient à eux, mais par contre, toutes les bâtisses, ils louaient leurs bâtisses de quelqu'un d'autre. Alors, la question que je vous poserais,
qu'est-ce qui arriverait si Walmart déciderait, et c'est possible, Walmart a décidé de vendre toutes ses installations et avec le 110 milliards, elle paierait sa dette. Qu'est-ce qui arrive au niveau d'endettement? Le niveau d'endettement, on l'a vu déjà cette session, on l'a vu au cours 2. Alors, c'est le pourcentage de la compagnie financée par de la dette. Quand on calculait WACC, on regardait la proportion de la compagnie financée par de la dette, la proportion de la compagnie financée par des preferred et la proportion financée par des common. Et on calculait une moyenne pondérée. Donc, ce ratio, si on paye de la dette, ce ratio va baisser. Alors, ici, on a 2/3. Le ratio de dette à actif, c'est 2/3. Mais si on vend toutes nos installations et on les loue par la suite et on prend ce 110 milliards pour rembourser de la dette, qu'est-ce qui arrive à notre taux d'endettement? Donc, si je dis que Walmart paierait 110 milliards en installations, qu'est-ce qui arriverait à son niveau d'endettement? Donc, je vais vous demander la question suivante. Que serait la réduction? Alors, Walmart possède 180 milliards en actifs. Calculer la réduction du niveau d'endettement, le pourcentage d'endettement de Walmart, alors le taux d'endettement, si elle procède à une vente et location. Ça veut dire qu'elle vend ses installations et elle les loue immédiatement par la suite et elle utilise l'argent pour réduire sa charge de dette. Qu'est-ce qui arriverait à son niveau d'endettement? Alors, première personne qui a la bonne réponse, envoyez-moi ça dans le chat et je vous donnerai un point bonus. Donc, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est C. Alors, je vais donner un point bonus à... j'espère que je prononce ton nom correctement. Jesus. Un point bonus. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai 180 milliards en actifs. J'ai 120 milliards de dettes et ça veut dire 60 milliards en fonds propres. Donc, quand je vais calculer mon WACC, ce serait 2/3 fois le rendement de la dette après impôt, fois 1/3 fois le rendement des fonds propres après impôt. Il se peut que tu aies des common et des preferred shares. Donc, et de ce 180 milliards, j'ai 110 milliards, c'est les installations. Si Walmart vendait ses installations pour 110 milliards, alors elle vend 110 milliards d'installations, ça veut dire qu'il resterait 70 milliards en actifs. Et elle réduirait de 110 milliards sa dette. Donc, elle aurait toujours 60 milliards en fonds propres. Elle y resterait 10 milliards de dettes, qui serait le 70 milliards d'actifs. Donc, avant, elle a 120 milliards de dettes, 180 milliards en actifs. Donc, 2/3 de la compagnie, elle est financée par de la dette. Le ratio dette à actifs, 2/3. Par la suite, elle vend 110 milliards en actifs et elle réduit 110 milliards de dettes. Donc, il va lui rester 10 milliards de dettes sur 70 milliards d'actifs. Donc, le niveau d'endettement, ce serait 1/7 ou 14,28. Donc, le taux d'endettement chute de 52,38%. Donc, il y avait un cours Finance 3 qui existait avant. On l'a aboli il y a comme 5 ans. Je le donnais. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que si jamais tu as une compagnie qui a des bails comme Kmart, si tu veux comparer Kmart à Walmart, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la valeur actuelle de tous les paiements du bail. Alors, on assumait un bail. Le bail est généralement 5 ou 10 ans. Mais on assumait 5, 10 ou des fois on assumait 20 ans. On faisait la valeur actuelle d'un paiement de bail sur 20 ans et on disait que ça, c'était la valeur des installations, malgré le fait qu'elle louait ses installations. Alors, si on disait que la valeur actuelle de tous les paiements de bail, c'est de 2 millions, on mettait 2 millions en installation et on mettait 2 millions en dette. Pourquoi? Pour refléter dans les états financiers, les coûts de location ne sont pas là. Alors, il y a juste une ligne location, mais
Quand tu présentes à ton annual meeting, ton shareholder meeting, ta réunion annuelle des actionnaires, tu dois mentionner en anglais, on dit contingencies, toutes les liabilities. Alors, tous les passifs ne sont pas, si tu as un bail, tes passifs ne sont pas dans ton balance sheet, ton rapport, je pense qu'en français, ton balance sheet. Alors, pour démontrer que tu as des paiements qui vont venir, tu dois mettre ça dans les notes aux états financiers. Alors, si tu capitalises un bail, c'est comme et tu mettais ça dans les états financiers. Alors, c'est donner plus d'informations. C'est justement pour dire que, écoute, on a des paiements futurs qui vont venir. Alors, par la suite, on dépréciait. Si on créait un actif et un passif, on amortissait le prêt puis on dépréciait l'actif. Alors, il y avait des crédits d'impôt qui rentraient là-dedans, il y avait des charges d'intérêt qui rentraient là-dedans. Donc, si on loue notre installation, le coût de location est déductible d'impôt. Par contre, normalement, quand on paye nos impôts, on le fait à la fin de l'année, mais le loyer est en début de période. Donc, on doit faire un traitement pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que pour tous nos calculs de vente, on va regarder la vente d'un projet si on loue l'équipement, on va regarder la vente d'un projet si on achète l'équipement. Ou en d'autres mots, si la valeur actuelle de tous les cash flows de location sont plus grandes que la valeur actuelle de tous les cash flows si on achète les installations, bien, si ça vaut plus la peine de louer, on va louer. Et si la valeur actuelle de tous les cash flows sont plus grandes à cause qu'on achète au lieu de louer, bien, dans ce cas-là, on va acheter. Alors, si la vente d'un projet, on va prendre le projet qui a une valeur la plus élevée. Par contre, j'ai déjà eu une question où est-ce que j'ai mis une contrainte budgétaire. Encore une fois, si on a des contraintes budgétaires, on doit prendre toutes les combinaisons possibles selon notre contrainte budgétaire pour maximiser la valeur. Alors, je pense que ce n'est pas le dernier examen. L'examen avant, j'avais fait justement cette question à l'examen. Donc, si L, c'est le loyer, et le loyer est payé en début de période, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va payer L, alors la valeur actuelle de tous les coûts. On paye L. Alors, c'est de l'argent qui sort, c'est négatif. Et si le loyer est payable sur N années en début de période, bien, ça va tout simplement être la valeur actuelle de tous les paiements. Par contre, alors supposons que je paye 1 million en loyer par année. Mon crédit dépôt est en fin d'année. Alors, si je paye 40 % en taxes, je paye 1 million en début d'année, mais mes taxes vont être baissées de 400 000 en fin d'année. Donc, je vais payer 1 million en début d'année. Et je vais avoir un crédit d'impôt de 400 000 piastres en fin d'année. Donc, je vais tenir compte de ce traitement fiscal. Et si vous regardez l'intra de l'année passée, justement, il y avait cette question. Et une erreur qui était commune, c'est que les étudiants, quand ils faisaient le income statement, dans la ligne coût fixe, ils mettaient le coût du loyer qui n'était pas traité. Ou ben donc, une autre erreur qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient le coût du loyer qui tenait compte d'une période d'inflation. Alors, si je paye L en début de période, c'est comme si je payais L en fin de période. Mais je paye L cash en début de période. La valeur accumulée de L en fin de période, c'est L fois 1 plus I. Mais je paye L cash. Et c'était un traitement que j'ai pogné plein d'étudiants. C'était la première fois que je posais la question de cette façon. Alors, pour tenir compte du traitement du loyer, les paiements se font en début de période. La valeur actuelle de tous les coûts, si je loue. Alors, je vais payer L pendant N période en début de période. Alors, c'est la valeur actuelle de N paiements de L en début de période, escompté au taux d'intérêt, probablement WACC, plus mes crédits d'impôt sont en fin de période. Je vais avoir N crédits d'impôt. Le crédit d'impôt, ça va être le taux corporatif multiplié par ce L qui a été payé en début de période. Mais le crédit d'impôt est traité en fin de période. Donc, 1 million en début de période, à la fin de chaque période, je vais avoir 400 000 de crédit d'impôt, de taxes réduites, pendant une période, alors en fin d'année. Et pour ceux qui n'aiment pas le tréma, alors si je paye L en début de période, ce serait équivalent, la valeur serait équivalente à payer L fois 1 plus I en fin de période. Mais le traitement est très important, je paye L cash. La valeur accumulée de L en début de période, c'est L fois 1 plus I en fin de période. Donc, si j'ai N paiements de L en début de période, ce serait équivalent à payer L fois 1 plus I à la fin de chacune des N périodes. Et la valeur actuelle de ces paiements. Donc, si vous regardez l'examen de l'hiver, de automne 2019,
Dans la première question, je mets des frais de location. La meilleure chose à faire, c'est tout simplement que vous calculez la vanne, vous sortez la location de l'équation, faites tous les calculs sans la location et à la fin, vous calculez tout simplement la valeur actuelle de tous les coûts de location. Mais l'erreur qui était très commune, c'est que dans les coûts fixes, du monde mettait soit L, mais L était en début de période, ou mettait L fois 1 plus I, et L, c'est L qui était en début de période, alors c'est L qui est payé. Alors, les deux, c'est les deux erreurs que le monde faisait. Donc, un exemple. Je paye 100 000 en début de période pendant 10 ans. Un bail de 10 ans de 100 000. Je reconnais les crédits d'impôt en fin de période, le taux d'intérêt est de 8 % et le taux corporatif est de 40 %. Donc, je vais payer au temps 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 000. Par contre, au temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais avoir 40 000 de moins en taxes à payer. Quelle est la valeur actuelle des coûts de location? Alors, encore une fois, je vais donner un point bonus pour la première personne qui est capable de me dire quelle est la valeur actuelle des coûts de location. Je veux une réponse en chiffres et non une lettre. Première personne qui a la réponse, je vais donner un point bonus. La bonne réponse, ce serait 456 285. Donc, un point bonus à Jésus, je suis désolé, je t'ai déjà donné un point. Alors, je vais donner un point à Kim. Mais oui, Jésus, tu avais la bonne réponse. Donc, comment est-ce qu'on fait ce calcul? Donc, la valeur actuelle, si on loue. Alors, on a 10 paiements de la location en début de période, mais nos crédits d'impôt sont en fin de période. Donc, j'ai 100 000 $ pendant 10 ans. La valeur actuelle de 10 paiements de 100 000 $ payés en début de période pendant 8 ans. Donc, très important. Alors, les paiements sont généralement négatifs, les cash flows qui rentrent. Alors, j'ai 40 000 de cash flow positif. Alors, une réduction de coûts, c'est comme de l'argent qui rentre. Donc, j'ai 40 000 en réduction de dette. Et les taxes sont 10 crédits d'impôt de 40 000 en fin d'année. Est-ce qu'on était à 8 %? Donc, si je n'aime pas le tréma ici, alors si je n'aime pas des rentes en début de période, je peux mettre ça en rente fin de période. Alors, c'est un traitement financier. C'est juste un peu d'ingénierie financière. Alors, si j'ai des paiements en début de période, alors si j'ai 1 $ qui est versé au temps 1, j'aurai 1,08 $ qui serait versé au temps 2. Donc, si mes paiements sont en fin de période, je multiplie tout simplement la valeur du paiement en début de période fois 1 plus i. Et c'est comme si je recevais... Alors, recevoir 100 000 $ au temps zéro, ou payer 100 000 $ au temps zéro, c'est comme payer 108 000 $ au temps 1. Je paye 100 000 $ au temps zéro, mais si je veux traiter ça avec un peu d'ingénierie financière, je peux dire que ce serait équivalent à payer 108 000 en fin d'année. Donc, payer 100 000 $ en début d'année pendant 10 ans, c'est équivalent à payer 108 000 $ en fin d'année pendant 10 ans. Et ce qui me permet de faire mon calcul. Donc, si j'utilise la première formule, je mets moins 100 000 dans paiement, N est égal à 10, I est égal à 8, et je m'assure d'être en mode début de période. Alors, second function begin sur la plupart des calculatrices, ou second function mode. Et vous allez avoir sur votre calculatrice les mots do ou begin ou BGN qui vont apparaître, qui vont vous indiquer que vous êtes en début de période. Si, par contre, à ce montant, vous faites compute present value, et en fin de compte, je devrais l'ajouter dans ma slide. Alors, 10 paiements à 8 % de 100 000 $ Second function begin, compute present value. C'est équivalent à 724 788 et 79. Donc, 724 688 et 79, c'est la valeur actuelle des 10 paiements de 100 000. Vous mettez ça en mémoire. Si par contre, vous faites 108 000 comme paiement et vous vous mettez en mode fin de période, compute present value, ça va vous donner encore une fois 724 688 et 79. Mais c'est très important. Ce n'est pas 108 000 qui est payé au temps 1.
c'est l'équivalent. C'est 100 000 $ qui est payé au temps zéro. Donc, ça, c'est la present value des coûts de location. Par contre, vu que je paye 100 000 en début de période, j'économise 40 000 en taxes à la fin de l'année pendant 10 ans. Alors, j'ai 10 paiements à 8 % de 40 000, ce serait mon payment. Assurez-vous que vous êtes en mode fin de période. Alors, vous êtes maintenant en mode fin de période, compute present value. Et la present value de 10 paiements de 40 000 $ à escompté à 8 %, ce serait 268 403,26. Donc, 724 000 moins ce montant, ça vaut 456 000. Donc, tous tes coûts de location, la valeur actuelle de tous tes coûts de location après impôt, c'est 456 285. Donc, quand vous faites un calcul de VAN, vous pouvez faire tous les calculs, mais à la toute fin, vous devez tout soustraire 456 285. Si dans vos cash flows, vous ôtez la ligne, le loyer, vous ne mettez pas ça dans un coût fixe, si vous enlevez le loyer, vous allez calculer tous vos cash flows, vous allez calculer la valeur actuelle, l'investissement initial, et vous allez soustraire à la toute fin 456 000 pour la valeur actuelle de tous les coûts de location, et ça vous donne votre VAN. Maintenant, dans votre TP, vu que c'était le cours 6, tous les cash flows étaient en fin de période. Donc, c'était bien simple. Le loyer était en fin de période, donc c'était bien simple. Il y a des étudiants qui ont déjà terminé leur TP. Vous mettiez les frais de location dans coût fixe et vous calculez vos cash flows. Mais maintenant, les coûts de location, je vous dis tout de suite, les coûts de location sont généralement en début de période. Donc, s'ils sont en fin de période, ça rend l'examen, le TP bien plus facile, mais s'ils sont en début de période, il faut faire ce traitement. Donc, si j'achète par contre, au temps zéro, j'ai les coûts d'installation, les coûts de livraison, plus le coût de la machinerie. Si j'ai besoin d'un inventaire supplémentaire, même si je loue, j'aurais probablement besoin d'un inventaire supplémentaire. Alors, si je loue une nouvelle machine ou si je loue un camion de livraison ou si j'achète le camion de livraison, j'ai probablement besoin de l'inventaire supplémentaire. Par contre, si j'achète la machinerie, c'est moi qui dois traiter l'entretien. Si je la loue, c'est celui qui me loue la machinerie qui doit s'occuper, voir à que la machinerie, elle fonctionne comme il faut. Oui, à un examen, c'est certain que si je mets les coûts de location, je vous dis si c'est en début ou en fin de période. Donc, si par contre, moi ici, j'ai un problème avec mon appartement, j'appelle, je ne sais pas, la toilette ne fonctionne pas, j'appelle le propriétaire, il vient réparer, c'est lui qui s'en occupe. Par contre, si c'est moi qui est propriétaire de ma maison, mais s'il y a un problème avec la toilette, c'est moi qui dois venir m'en occuper. Alors, c'est moi qui, si j'achète la machinerie, c'est moi qui dois l'entretenir. OK. Par contre, quand j'achète, voici tous les coûts. Alors, j'ai des coûts au temps zéro, l'installation. J'ai l'inventaire. Probablement que cet inventaire il est pleinement récupérable à la toute fin du projet, si le projet est d'une durée temporaire. Par contre, j'ai des coûts d'entretien du temps 1 jusqu'au temps N. Je dois tenir compte de la valeur actuelle de tous les coûts d'entretien. Et j'ai des charges de dépréciation pendant les N années. Alors, les charges de dépréciation sont des charges non-cash. Je prends chaque charge de dépréciation fois les taxes et c'est le montant que j'économise en taxes par période. Alors, si je paye 40 000 de moins en taxes, c'est comme si je recevais un cash flow positif de 40 000 $. Donc, je tiens compte de ce bouclier de dépréciation, Depreciation Tax Shield en anglais. Plus, bien sûr, à la toute fin, je peux revendre mon équipement pour la valeur marchande, mais j'ai un traitement sur le gain capital que je devrais tenir compte. Alors, si j'ai un gain capital, je vais payer des taxes dessus. Si j'ai une perte en capital, je vais recevoir un crédit d'impôt. Encore une fois, si j'ai un crédit d'impôt, assumez que vous le recevez immédiatement. Alors, si j'ai une perte en capital pour le projet 1, assumez que les projets 2 jusqu'à 1000 ont des gains en capital, ils vont venir s'annuler. Alors, on paye juste, la corporation va payer des gains capitaux sur la totalité et non par projet. Mais par contre, si un projet a une perte en capital, on peut assumer que les autres projets ont des gains en capital qui vont venir s'annuler. Et bien sûr, si j'ai l'inventaire que j'ai besoin au temps zéro, un inventaire supplémentaire, je vais le récupérer, mais je vais le récupérer à la toute fin. Il faut que je tienne compte des intérêts. Alors, on avait déjà vu que si on achetait un camion,
Au temps zéro, on payait 100 000 pour le camion, je pense que c'était le cours 4. 100 000 pour le camion. On avait un inventaire supplémentaire qu'on récupérait à la toute fin, on l'écoulait à la toute fin. Les coûts d'entretien du camion, c'est moi qui dois y payer du temps 1 jusqu'au temps N. Le camion, j'ai des charges de dépréciation pendant du temps 1 jusqu'au temps N qui va me donner des crédits d'impôt sur mes taxes. Je vais calculer la valeur actuelle. Je vais revendre l'équipement à la toute fin, selon mes hypothèses, et je vais traiter mes gains capitaux. Alors, c'est toutes les choses qu'on doit tenir compte. Alors, ça, c'est la valeur actuelle de tous les coûts si j'achète l'équipement. Alors, pour le même équipement. Alors, normalement, si j'ai besoin d'un inventaire supplémentaire au temps zéro, on peut assumer qu'il est pleinement récupérable au temps N. Même chose, les comptes à payer supplémentaires, je vais les payer à la toute fin. Et les comptes à recevoir supplémentaires qui sont donnés aux clients, je vais assumer que je les reçois à la fin du projet. Donc, supposons que j'ai un projet sur 10 ans. La valeur de l'équipement, c'est 2 millions de dollars si je l'achète. Livré, installé, une dépréciation linéaire sur 10 ans. La valeur résiduelle est de 600 000. Ça veut dire, j'ai 1,4 million de dés qui va être déprécié sur 10 ans, 140 000 de charges de dépréciation par année. Alors, mon bouclier de dépréciation, 40 % de ce 140 000, alors ça serait 64 000 $ que je vais réduire mes taxes de 64 000 $ par année. Alors, WACC est de 7,2 %. Si j'achète la machine, je dois payer 60 000 par année pour entretenir la machine. Par contre, je peux louer cette même machine pour 410 000 $, mais les paiements se font en début d'année. Si j'ai le choix entre acheter ou louer, si je regarde tous les autres cash flows, je vais assumer que acheter ou louer me donne exactement les mêmes cash flows autrement. Je vais juste regarder maintenant les composantes de acheter versus louer. Alors, supposons que ce projet augmente mes ventes, augmente mes coûts variables. Tout le reste augmente pour les deux projets. Si je vous demande la vente du projet, je vais calculer tous les cash flows. Mais en ce moment, je veux juste voir si ça vaut plus la peine de louer versus acheter. Alors, toutes les autres cash flows demeurent constants, soit entre acheter et louer. S'il y a des différences, là, je dois les traiter. Donc, ici, dans cet exemple, est-ce que je veux acheter ou louer? Donc, la book value de l'équipement au temps zéro, c'est 2 millions, le prix d'achat incluant l'installation ou la livraison. La valeur résiduelle, la book value au temps 10, la fin du projet, c'est 600 000. Donc, je vais avoir une charge de dépréciation. Je vais déprécier 1,4 million sur 10 ans. Donc, c'est 140 000. C'est une charge non cash. C'est justement pour réduire mes taxes. Ma charge cash, c'est 2 millions au temps zéro. Je vais réduire mes taxes de 40 % de 140 000 $. Donc, ce serait 40 % de 140 000, c'est 56 000. Alors, je vais réduire mes taxes de 56 000 pour chacune des 10 prochaines années. Mes coûts d'entretien, j'ai 60 000 $ par année. Alors, tous les cash flows, à part la location, vont tout le temps être en fin de période. Alors, 60 000 par année en fin de période. C'est un coût fixe, donc c'est déductible d'impôt. C'est une charge cash. Et je vais comparer ça versus des coûts de location de 410 000 par année en début de période, avec un crédit d'impôt en fin de période. Mais ce 410 000, il est déductible. Alors, le crédit d'impôt, il est reconnu en fin d'année. Donc, je vais comparer acheter versus louer. Et celui qui a les coûts qui sont moindres, c'est lui que je vais préférer. Donc, quelle est la valeur actuelle d'une location? Alors, j'ai 10 paiements de 410 000 qui vont être faits en début de période, escomptés à 7,2 %. C'est de l'argent que je paye. Alors, normalement, de l'argent qui sort, l'argent qui est payé, je mets ça en négatif. Alors, j'ai 410 000 payés, 410 000 en début de période pendant 10 ans. Et ce 410 000 va me donner un crédit d'impôt qui est égal à 164 000 $. Alors, je vais réduire mes taxes de 164 000 $ à la fin de chacune des 10 prochaines années. Donc, quelle est la valeur actuelle de tous les coûts de location net après impôt? Donc, payer 410 000 en début de période, ce serait équivalent à payer 410 000 fois 1 plus I en fin de période pendant 10 ans à 7,2 %.
et les frais les crédits d'impôt sont reconnus toujours en fin de période. Et donc, la valeur actuelle des coûts de location. Alors, 410 000 payés en début de période pendant 10 ans et le crédit d'impôt reconnu en fin d'année, ce serait équivalent au temps T est égal à zéro à 1 917 372,79. Donc, la valeur actuelle de tous mes coûts de location. Alors, si j'ai un projet, je pourrais faire tous les cash flows autrement, les calculer, la valeur actuelle de tous les cash flows. Et quand je vais faire la vente de mon projet, vu qu'il n'y a aucun investissement au temps zéro, je vais avoir 10 cash flows. Je vais soustraire 1 917 000 à la toute fin pour tenir compte de la valeur actuelle après impôt de tous les coûts de location. Donc, ça va me coûter 1,9 million louer cette machine. Je vais comparer ça versus acheter la machine. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Alors, si ça coûte moins cher que 1,9 million, je préfère acheter la machine. Bien sûr, si j'ai l'argent, si j'ai le 2 millions au temps zéro. Par contre, si ça me coûte plus que 1,9 million, je vais préférer louer la machine. Donc, si j'achète, au temps T est égal à zéro, j'achète la machine pour 2 millions. Donc, la valeur actuelle au temps zéro, c'est le 2 millions. Je vais payer 60 000 $ en entretien. Alors, je vous laisse le temps d'écrire. Donc, au temps zéro, je paye 2 millions. Mais j'ai acheté la machine, je dois l'entretenir pour chacune des 10 prochaines années. Donc, ça va me coûter 60 000 cash. C'est un coût fixe. Donc, pour chaque dollar qui est payé, je vais réduire mes taxes de 40 %. Donc, je vais payer 60 000 en coût fixe, mais je vais réduire mes taxes de 24 000 $. Donc, net, je paye 36 000. Donc, pour chaque dollar qui est versé, j'économise 40 cents en taxes. Donc, 60 000 avant impôt, c'est comme 36 000 après impôt. Pour chacune des 10 prochaines années, en fin de période, escompté à 7,2 %. Mon bouclier de dépréciation. J'ai 140 000 de dépréciation par année. Ça vient réduire mes taxes de 56 000 $ à chaque année. Donc, la charge de dépréciation fois le taux corporatif, c'est mon crédit d'impôt. J'économise 56 000 par année pour chacune des 10 prochaines années, escompté à 7,2 %. Et à la toute fin, je suis capable de revendre mes équipements pour 600 000 $ escompté pendant 10 périodes à 7,2 %. Si j'ai besoin d'un inventaire supplémentaire, au temps zéro, j'aurai un inventaire et au temps T est égal à N, j'aurai un inventaire que je dois escompter. Alors, si l'inventaire est pleinement récupérable. Si j'ai un crédit d'impôt, si à la toute fin, je le vends pour 720 000, donc je vais vendre pour 720 000, mais je vais avoir un gain capital de 120 000 que je vais devoir traiter. Tanap, je ne comprends pas que ta question, c'est quoi TRJ? Bien, en fait, est-ce qu'on présume toujours qu'on vend l'équipement à la fin? Oui, normalement, quand le projet est terminé, vous le vendez. Dans le TP, je ne l'ai pas mis parce que je le sais que c'était au cours 5 qu'on le voyait. Donc, après le cours 4, dans le TP, on ne le traitait pas. Mais oui, normalement, vous revendez vos installations. Ça va normalement être indiqué à un examen. Vous revendez les installations à la toute fin. S'il y a un gain capital, vous devez payer les taxes dessus. Donc, si on achète l'équipement, la valeur actuelle de tous les coûts, ce serait 1 561 451,25 sous. Donc, ça coûte moins cher acheter versus louer. Donc, on va préférer acheter l'équipement versus la louer parce que ça coûte moins cher net. Par contre, supposons qu'on a un budget d'investissement de 1 million de dollars, on ne serait pas capable d'investir dans d'acheter l'équipement. Peut-être que ça vaudrait la peine de louer l'équipement. J'essaie de voir dans mes anciens examens où est-ce qu'il est.
Ce n'est pas 2019. Ah ouais, je pense que je l'ai trouvé. Ouais, OK, je l'ai trouvé. C'est l'examen. Attendez, je vais me mettre à l'écran. Alors, c'est l'examen. Voyons. 2018. Alors, automne 2018, je pense que c'est la question 3. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que j'ai trois projets. Pour la question numéro 3, j'ai trois projets. Le projet A, le projet B, le projet C. Alors, voici les cash flows si j'achète. Voici les cash flows si j'achète ou si je loue pour le projet A. B, acheter versus louer. C, acheter versus louer. Le budget d'investissement était de 500 000. Donc, on pourrait acheter l'équipement A et l'équipement C. On a assez d'argent, mais on ne peut pas acheter A et B. On peut acheter B et C, mais on ne peut pas acheter A, B et C. Par contre, dans une des questions, je vous demandais de calculer la vente pour chacune des 6 projets. Alors, les 6 projets sont profitables, soit acheter ou louer. Si on achète ou si on loue, ça vaut toujours plus la peine acheter versus louer. Alors, pour le projet A, acheter versus louer. Projet B, acheter versus louer. Projet C, acheter versus louer. Ça vaut toujours plus la peine acheter que louer. Par contre, on peut juste acheter soit A et C ou B et C. On ne peut pas acheter A, B et C. Alors, une erreur commune que les étudiants faisaient, c'est qu'ils me disaient qu'ils acceptaient juste B et C ou A et C. Mais même si on n'est pas capable d'acheter l'équipement, on peut le louer. Alors, la bonne réponse, c'était acheter B et C et louer A, ça augmentait la vanne du montant maximal. Alors, c'était une très bonne question. C'était 2018, question numéro 3. Donc, un autre projet. Un projet sur 10 ans. La valeur de l'équipement, encore une fois, c'est 1 million. Alors, ici, j'ai mis dépréciation linéaire, encore une fois, avec une valeur résiduelle de 350 000, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle méthode de dépréciation. J'ai 650 000 à déprécier sur 10 ans. Le taux comparatif est de 45 %, WACC est de 5 %. Et la location, elle est de 150 000, payable en début de période. Donc, le crédit d'impôt est en fin de période. Et ici, je vous dis qu'il n'y a aucun gain capital, donc assumez que vous pouvez vendre votre équipement pour 350 000. Encore une fois, est-ce que j'achète ou est-ce que je loue? Donc, la book value au temps 0, c'est 1 million. La book value au temps 10, c'est 350 000. Donc, j'ai 650 000 par année qui va être dépréciée. Donc, ma charge de dépréciation va être de 65 000 piastres. 65 000, c'est une charge non cash. Je mets ça dans la ligne de dépréciation pour réduire mes taxes de 45 % de cette valeur. Donc, je vais avoir une réduction de taxes d'environ 35, 36, 37 000. Alors, si j'achète l'équipement, je vais payer 1 million au temps T est égal à zéro. Je vais réduire mes taxes de 45 % de 65 000. Donc, je vais payer 65 000 fois 4,45. Je vais payer 29 250. Alors, 29 250 de moins en taxes, c'est comme si je recevais 29 250 pendant 10 ans. Et à la toute fin, je vais revendre mon équipement pour 350 000 piastres. Donc, je vais escompter ça à 5 % pendant 10 périodes. Donc, la valeur actuelle de tous mes coûts, si j'achète l'équipement, c'est 559 269,61. Maintenant, si je loue l'équipement, je vais payer 150 000 piastres par année. Donc, je vais payer 150 000 piastres au début de 10 ans et je vais recevoir un crédit d'impôt de 45 % de 150 000, mon tax shield, qui est reçu en fin d'année, 45 % de 150 000 pendant 10 ans. Donc, 150 000 en début de période pendant 10 ans, escompté à 5 %. C'est la valeur de tous mes frais de location. Et la valeur actuelle de tous mes crédits d'impôt en fin de période pendant 10 ans, de 45 % de ce 150 000. Donc, les frais de location, si je n'aime pas le début de période, je peux mettre ça en fin de période.
Donc, 150 000 en début d'année, c'est égal à 150 000 fois 1 plus le taux d'intérêt en fin d'année. Mon crédit d'impôt demeure le même, ce qui fait en sorte que c'est équivalent à payer 694 956,14. Alors, si j'achète, la valeur actuelle de tous mes coûts va être de 559 000. Et si je loue, la valeur actuelle de tous mes coûts va être de 694 000. Donc ici, je vais préférer acheter versus louer. Encore une fois, par contre, si j'ai un budget d'investissement, je suis limité au temps zéro, qu'est-ce que je peux acheter? Alors, si mon budget d'investissement ne me permet pas de payer 1 million au temps t est égal à zéro, peut-être que louer vaut quand même la peine. OK, alors c'est la première moitié du cours. La deuxième moitié, c'est si notre projet, c'est de refinancer. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, je vais revenir à mon recueil. Et si je ne me trompe pas, l'examen de la session passée, alors automne 2019, la question numéro 1, il y avait une super bonne question là-dessus. Alors, oui, c'est ça. Alors, question numéro 3. Ah oui, c'est ça, j'avais deux groupes, trois groupes la session passée, donc j'avais la même question, trois façons différentes, trois méthodes de dépréciation différentes. OK, alors oui, c'est ça. C'est bel et bien la question numéro 1, mais j'avais trois groupes, donc j'avais la même question pour les trois groupes, mais j'avais tout simplement changé la méthode de dépréciation. Alors ici, pour le premier groupe, c'était Double Declining Balance. Donc, j'avais un bail de 5 ans avec le loyer annuel en début de période. Alors, c'était un calcul de VAN, mais tous les cash flows se faisaient tous les loyers se faisaient en début de période. Donc, comment que vous pouvez le traiter? C'est si vous voulez, vous pouvez mettre en coût. L'erreur la plus commune, c'est que j'avais des étudiants qui mettaient 300 000 en coût fixe. Mais les coûts fixes étaient en fin de période. Alors, les cash flows ne traitaient pas ça. Alors, qu'est-ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai fait tous les cash flows en excluant. Tous les cash flows en excluant le loyer. Et pour chacune des 5 années, j'avais mon crédit d'impôt. Alors, les taxes étaient de 30 % sur 300 000 de loyer. Donc, j'avais un crédit d'impôt de 90 000 à la fin de chacune des 5 années. Et le loyer est en début d'année. Alors, le premier loyer, je l'ai tout simplement mis avec, je l'ai tout simplement mis avec l'investissement initial. Donc, qu'est-ce qui arrivait à ce moment-là? Là, j'avais tous mes cash flows au bon moment. Alors, j'étais capable de calculer. J'avais un investissement initial qui avait un 300 000 supplémentaire et tous les cash flows supplémentaires avaient le bon traitement pour le cash flow. Alors, je faisais le projet en excluant le loyer. Je trouvais mes cash flows. Et par la suite, je faisais tout simplement un traitement supplémentaire. Alors, pour les années 0 à 4, j'avais un loyer de 300 000. Donc, dans mes cash flows 1 à 4, vous voyez le 300 000 qui s'y trouve. Le loyer au temps zéro, je l'élimine dans l'investissement initial. Puis les 5 crédits d'impôt de 90 000 se faisaient au temps 1, 2, 3, 4, 5. J'ai traité par la suite, qui me donnait mon cash flow net et j'étais capable de faire mon calcul. J'étais surpris avec le nombre d'étudiants qui ont bloqué. L'erreur la plus commune, j'avais des étudiants qui mettaient 300 000. Alors, au lieu de mettre 120 000 en coût fixe, j'avais 420 000. Alors, ce n'est pas le bon timing pour la charge de dépréciation. Une autre erreur commune, j'avais des étudiants qui mettaient 120 000 plus 300 000 fois 1 plus i. Encore une fois, le 300 000, il est payé au temps zéro cash. Au temps 1, c'est tout simplement pour calculer la valeur actuelle si vous n'avez pas des paiements en début de période. Alors, c'est une très bonne question. Je vous recommande de le faire par vous-même dans votre étude. Quand vous allez faire votre étude pour l'examen, je vous recommande tout le temps de commencer avec l'examen le plus récent. Je vais faire l'examen automne 2019, c'est le plus récent. Je vais le faire durant la période de révision. Je vais passer à travers l'examen. Mais je vous conseille tout le temps de faire les plus récents. Mes examens de 2011-2012, je vais vous dire honnêtement, sont relativement basiques. C'était la première fois que je donnais le cours. OK. Et je pense. OK. Alors, la deuxième partie du cours, ça va être le refinancement. Alors, juste depuis le début de la session, on regarde tout le temps la ligne intérêt dans notre income statement, elle est tout le temps égale à zéro. Mais si notre projet, c'est de renégocier la dette, c'est notre projet. Est-ce que ça vaut la peine de renégocier notre dette? Alors, supposons que j'ai emprunté 10 millions de dollars, j'ai une hypothèque. Supposons, on va prendre une hypothèque de 400 000. J'ai 400 000 au temps zéro et je rembourse ça sur 25 ans.
Après 5 ans, j'ai ma banque qui me dit que j'ai environ 350 000 à rembourser sur mon prêt. Normalement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est qu'on peut regarder ailleurs et on pourrait aller à une autre banque si le taux d'intérêt est inférieur. Mais normalement, on a une pénalité à payer là-dessus. Alors, si le taux d'intérêt est fixe sur 25 ans, tu aurais une pénalité. Mais il y a beaucoup de banques qui ont des taux d'intérêt fixes 5 ans puis variables par la suite. Donc, si tu renégocies ailleurs, tu n'as pas de pénalité à payer dessus. Mais supposons que j'ai une banque qui t'a prêté 400 000 au temps zéro pour une hypothèque sur 25 ans avec un taux fixe de 3 %. Et après 5 ans, les taux d'intérêt ont chuté, tu veux aller ailleurs. Alors, il te reste 350 000 à payer sur ton prêt. Tu empruntes 350 000 à l'autre banque avec un nouveau taux d'intérêt qui est inférieur à 3 %, et tu prends ce 350 000 pour rembourser ton premier prêt à la banque initiale. Par contre, vu que tu avais un contrat avec la banque va te charger une pénalité. Est-ce que ça vaut la peine en traitant cette pénalité? Donc, on va payer une pénalité. Pour une corporation, si tu veux rembourser un prêt, tu vas payer, généralement payer une pénalité si tu te rembourses avant la fin du contrat. Et en plus, émettre des titres, ça coûte beaucoup d'argent. Quand tu émets 400 millions de dollars, ce n'est pas une banque qui te prête 400 millions de dollars. Tu dois trouver des obligataires. Toi, tu vas émettre des obligations corporatives. Tu dois trouver quelqu'un. Alors, tu as peut-être une chambre de compensation entre les deux, comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley ou au Canada, toutes les banques, qui vont trouver des personnes qui vont acheter les obligations et ils vont avec cet argent-là, ils vont te donner le 400 millions. Mais pour ce traitement, ils vont peut-être charger un 10 millions supplémentaire. Alors, ça coûte très cher émettre des titres, que ce soit des actions ou des obligations. Alors, par contre, si on est capable de renégocier un prêt ou de refinancer un prêt, on va avoir un taux d'intérêt qui est inférieur. Donc, on va avoir des économies d'intérêt. Et les intérêts sont déductibles. Donc, si je pars du 3 % à du 4 %, j'économise 1 % en taux d'intérêt. Mais ce 1 % est avant impôt. Alors, si je paye 40 % en taxes, alors si j'économise 1 % d'intérêt avant taxes, c'était comme économiser 0,6 % après impôt. Alors, les intérêts sur la dette, sont déductibles, mais les dividendes sur les actions privilégiées et les actions ordinaires ne sont pas déductibles. Donc, à l'examen, je vais vous dire qu'il y a certains coûts de financement, comme émettre des titres. Peut-être que tu peux amortir ces coûts sur plusieurs années. Et il y a certains frais légaux qui ne sont pas amortibles et ne sont pas déductibles d'impôts. Alors, c'est comme un investissement au temps zéro pour être capable d'émettre des titres. Et il y a certains de ces coûts que tu vas être capable de déprécier. Alors, supposons que ça me coûte 5 millions émettre des titres. Peut-être ce 5 millions, je peux l'amortir sur les 10 prochaines années. Alors, ce serait comme 500 000 de charges de dépréciation amortissables par année sur les 10 prochaines années. Et certains frais ne sont pas déductibles du tout. On va vous le dire à un examen. Je vais vous le dire à un examen. Normalement, quand on refinance, supposons qu'une compagnie elle a 400 millions de dettes à refinancer. Je le sais, on est aujourd'hui au début du mois d'octobre. Je le sais que le 1er janvier, j'ai 400 millions qui deviennent dus de dettes. Je ne vais pas attendre le 31 décembre pour emprunter un 400 000 pour refinancer l'ancienne dette. Ce que je vais faire, c'est aujourd'hui, le 13 octobre, je vais emprunter 400 millions et je vais prendre ce 400 millions avec des nouveaux obligataires. Je vais tenir 400 millions cash dans mon compte jusqu'au 1er janvier. Le 1er janvier, je vais rembourser l'ancienne dette. Mais pour nous, pour l'examen, on va assumer que la dette, le financement va se faire au même moment. Alors, j'ai 400 millions qui deviennent dus le 1er janvier. Le 31 décembre, j'emprunte 400 millions à une autre série d'obligataires et je prends ce 4 millions et le 400 millions et le lendemain, je rembourse la dette. Donc, on va faire un exemple. J'ai une ancienne dette, je dois 30 millions à du 12 %. Il reste 15 ans sur cette dette. C'est des obligations corporatives. Le nouveau taux du marché, c'est 9 %. Donc, je pourrais emprunter à la banque aujourd'hui 30 millions à 9 % pour rembourser mon autre dette de 30 millions qui est à 12 %. Donc, supposons, j'ai emprunté 30 millions à la Banque de Montréal il y a 10 ans pendant 25 ans. Il reste 15 ans à cette dette. Je m'en vais à la Banque Royale, j'emprunte 30 millions à 9 %.
et je rembourse la Banque de Montréal. Par contre, pour rembourser cette dette, qu'est-ce qui arrive? C'est non déductible. La Banque de Montréal me dit qu'elle va me charger 10% de la valeur nominale. Elle va me charger 3 millions pour briser le contrat. Ce 3 millions, je le paye à la Banque de Montréal, mais ce 3 millions, je ne peux pas le déduire. C'est tout simplement un coût fixe au temps zéro. Par contre, pour aller à la Banque Royale et emprunter 30 millions, ça va me coûter 1,4 million. Parce que normalement, on ne va pas à la Banque Royale. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la Banque Royale va émettre 30 millions en obligations. Elle va trouver du monde qui va acheter ses obligations. Elle va collecter le 30 millions et elle va le donner à celui qui l'emprunte, à la corporation. Pour ceci, elle charge 1,4 million. Et ce 1,4 million, je peux le déprécier sur 5 ans. Ça veut dire une charge de dépréciation de 280 000, un crédit d'impôt sur cette charge de dépréciation par la suite. Alors, 280 000 fois 40 %, je pense que c'est 112 000. Alors, une réduction de taxes de 112 000 pour chacune des 5 prochaines années. Est-ce que ça vaut la peine de refinancer? Alors, je dois tenir compte de la réduction des intérêts après impôt pendant les 15 prochaines années. Je dois regarder la pénalité au temps zéro de 3 millions. Je dois payer 1,4 million au temps zéro. Et j'ai des crédits d'impôt de 280 000, des charges de dépréciation pendant 5 ans. Si la valeur actuelle de tous ces cash flows au temps zéro, elle est plus grande que zéro, j'ai une vanne qui est positive, donc je devrais refinancer. Sinon, je devrais tout simplement garder l'ancienne dette. Encore une fois, je veux dire, ça me prend 3 millions refinancés et 1,4 million refinancés au temps zéro. C'est 4,4 millions que ça me prend au temps zéro. Si je n'ai pas cet argent-là, à cause d'un budget d'investissement, c'est certain que je ne peux pas faire le projet. Donc, si je rembourse, je dois payer une pénalité de 10 % sur le notionnel. Donc, je dois payer 3 millions. Donc, je dis que cette prime de remboursement est non déductible. Alors, c'est une charge au temps zéro. Alors, j'ai aucun crédit d'impôt, alors c'est 3 millions net. Ce n'est pas 3 millions, un coût fixe de 3 millions, donc après impôt. Alors c'est non déductible. Donc je paye 3 millions fixes au temps zéro pour renégocier. Des frais d'émission de 1,4 million. Donc, quand j'ai été à la Banque Royale, elle a emprunté 3 millions en vendant des obligations, 30 millions d'obligations. Et elle a fait ce travail, mais elle va prendre ce 30 millions, elle va le donner à moi, mais je dois payer à la Banque Royale 1,4 million pour avoir fait cette émission. Mais je dis que ce 1,4 million est déductible d'impôt sur 5 ans. Alors, pendant chacune des 5 prochaines années, je vais imputer une charge de dépréciation de 280 000 afin de réduire mon bénéfice imposable et donc de réduire mes taxes de 40 % de 280 000. Donc, à chacune des 10 prochaines années, des 15 chacune des 5 prochaines années, je vais imputer une charge de dépréciation de 280 000. Et donc, pour chacune des 4 prochaines années, je vais payer 112 000 de moins en taxes. Alors, c'est comme si je recevais 112 000 $. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé, est-ce que c'est tout le temps une dépréciation linéaire? En théorie, je pourrais mettre une autre dépréciation, mais pour un refinancement, c'est rare qu'on va utiliser autre que dépréciation linéaire. Si on utilisait une autre source de financement, je pourrais le mettre, mais écoute, je verrais pas pourquoi le faire. Donc, 280 000 de dépréciation, ça réduit mes taxes. Alors, c'est une charge non-cash. Ça réduit mon bénéfice imposable, mais ça réduit mes taxes de 112 000 cash pendant 5 ans. Donc, la valeur actuelle de 112 000 $, c'est 280 000 fois 0,4. J'économise 112 000 à chacune des 5 prochaines années, escompté au nouveau taux d'intérêt de 9 %. Donc, une erreur commune, j'ai des étudiants qui vont escompter à 12 %. L'ancienne dette est à 12 %, la nouvelle dette est à 9 %. Ici, on utilise le rendement de la dette et non WACC. Pourquoi? On regarde juste la dette. Normalement, on utiliserait WACC, mais vu que c'est un refinancement, on regarde juste la dette. Alors, c'est à du 9 %. Donc, la valeur actuelle de 5 paiements de 112 000 $ escomptés à 9 %, c'est 435 000. Alors, ton tax shield, la valeur de ton tax shield au temps zéro est de 435 000. Donc, tu vas payer 3 millions au temps zéro.
tu vas payer 1,4 million au temps zéro et la valeur positive de ton bouclier de dépréciation est de 435 000. Donc, c'est comme si tu recevais au temps zéro 435 000. Tu reçois 112 000 au temps 1, 2, 3, 4, 5. Cette valeur au temps zéro, c'est 435 000. Les économies d'intérêt. Donc, avant, je payais 12 % sur 300 000. Donc, je payais 360 000 $ par année pour les 15 prochaines années. Maintenant, je paye 9 % sur 30 millions. Je paye 270 000 par année. Donc, j'économise 90 000 $ par année en intérêt. Par contre, ce 90 000, c'est une économie cash, mais les intérêts sont déductibles d'impôts. J'économise 90 000 avant impôt. Après impôt, je vais payer. Alors, si j'économise 90 000 $ par année, je vais payer 40 % de ce 90 000 en impôt. Donc, il me reste juste 60 % du 90 000 qui est reçu cash. Pendant chacune des 15 prochaines années, escompté au nouveau taux d'intérêt de 9 %. Donc, j'ai 30 millions de dettes. Avant, je payais du 12 %, donc 3,6 millions par année, je devrais dire. 3,6 millions par année avant. Maintenant, je paye 9 % sur 30 millions, 2,7 millions. Donc, j'économise 900 000 $ par année en intérêt. Donc, mon bénéfice imposable va augmenter de 900 000 $ par année. Sur ce 900 000 $, je vais payer 40 % ou 360 000 en impôts supplémentaires. Donc, 900 000 moins 300 000 ou 900 000 fois 1 moins le taux corporatif. Alors, il va me rester 60 % du 900 000. Il va me rester 540 000 par année après impôts. Alors, j'ai un cash flow positif de 540 000 par année pour chacune des 15 prochaines années. Alors, la valeur actuelle de 15 paiements de 540 000 escomptés à 9 % au temps zéro, c'est égal à 4 352 771,75. Donc, pour refinancer cette dette, je paye 3 millions au temps zéro. Je paye 1,4 million au temps zéro. Je vais recevoir 300 000 $ de ma nouvelle banque. Je vais utiliser cet argent-là pour payer mon ancienne banque. Je vais recevoir 5 paiements de 112 000 $ en crédit d'impôt. Et je vais économiser après impôt 540 000 $ en intérêt par année pendant les 15 prochaines années. Donc, quelle est la valeur de ce projet si je refinance? La vente du refinancement, c'est le 3 millions payés au temps zéro, plus le 1,4 million payés au temps zéro, plus la valeur actuelle du Depreciation Tax Shield, du bouclier d'impôt de dépréciation sur mes frais d'émission qui vont être dépréciés sur 5 ans, la valeur de ces charges de dépréciation, 435 000, plus une économie d'impôt, une économie d'intérêt après taxe de 4,3 millions de $. Donc, si je refinance, je vais créer 388 000 $, 412 et 69 de valeur à l'entreprise. Donc, en théorie, si je suis capable de refinancer, je devrais refinancer. Quelques notes sur cet exemple. Alors, cet exemple, c'était des taux d'intérêt de 12 % et de versus 9 %. Alors, ça sort du livre, le livre du professeur Rassi. Alors, ce livre, il date des années 80, il est gavé d'erreurs. Alors, des taux d'intérêt de 12 %, vous n'allez pas voir ça au Canada aujourd'hui. Alors, c'était les taux d'intérêt dans les années 80. Et aussi, vous voyez des chiffres qui sont énormes. Normalement, aujourd'hui, tu aurais peut-être... Alors, des taux d'intérêt qui sont énormes, mais une dette de 30 millions, ce n'est pas vraiment beaucoup. Alors, aujourd'hui, une corporation, on pourrait avoir une dette de 1 milliard. Elle veut refinancer 1 milliard. L'ancienne dette était à 3 %. La nouvelle dette est à 2,8 %. Est-ce que ça vaut la peine de refinancer? Alors, c'est un exemple avec des chiffres de 1980. Par contre, c'est quand même un très bon exemple.